Il y a 25% de la population française qui dit ne pas avoir fait de l'amour depuis 12 mois. Ça s'appelle être parent pour moi, tout simplement. Au final, c'est peut-être juste qu'il y a 25% de la population française très très moche, très très dégueulasse. Donc je vous propose, on se donne tous rendez-vous, parce que j'en fais partie. On se donne tous rendez-vous le 12 mai, place de la Concorde, et tous à poil, et on baise, voilà. Et là, je peux te dire qu'il y aura des enfants moches qui vont naître. Ah mais ils voulaient qu'on repeuple, on repeuple, hein, mais moche. Parce que pour baiser, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire chier, tout simplement. Eh oui, il n'y a jamais eu autant d'enfants que pendant une coupure d'électricité ou pendant le Covid. Voilà, faisons-nous chier pour qu'on baise. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as rien à faire chez toi, et t'es à mon chéri, qu'est-ce qu'on fait? T'es que déjà, t'as fini ta partie de Uno, t'as battu ta femme au Monopoly, et bien à un moment, tu t'emmerdes, ben, tu fais l'amour. Voilà. Après, on s'emmerde, mais c'est cool de faire l'amour. Non, mais ça veut surtout dire que les 25% des gens sont pauvres, parce qu'ils peuvent pas payer une personne pour les aider. Voilà. En même temps, je ne saurais même pas où il faut appeler. Je connais rien. Faut qu'on demande à des artistes. Alors, bien sûr, il y a les réacs hein, qui disent que s'il y a 25% des gens qui ne font pas l'amour, c'est sûrement des fans de jeux vidéo, parce que de toute manière, c'est toujours la faute des jeux vidéo. Voilà, c'est comme ça. Si demain, il y a une guerre mondiale, jeux vidéo. Si demain, le PSG gagne la Champions League, c'est impossible. C'est impossible, malheureusement, qu'on gagne la Champions League. Après, ça veut peut-être dire que les gens, ils ont juste pas envie de faire l'amour. Ils ont juste envie de faire la guerre. C'est fini, les années 70, là. Allez, maintenant, on va tous se tuer. Yes. Bonne journée à tous. Après aussi, c'est peut-être 25% des gens qui sont déçus d'avoir fait l'amour. Peut-être que c'est des gens qui sont tombés sur des mauvais coups. Ça veut dire qu'il y a 25% des gens qui sont des mauvais coups. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de mauvais baiseurs. Ça, c'est sûr. Et toi, dis-moi en commentaire si t'as fait l'amour les 12 derniers mois. Et oui, raconte-nous, c'était comment alors?